bien. Ce matin, nous allons continuer ce qu'on a regardé la semaine passée. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 10. Et puis, juste pour se remettre dans le contexte, nous allons relire les versets ensemble. À partir du verset 1, nous allons le rendre au verset 15. José a lu ce matin. Ça nous dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Amen. Seigneur, encore une fois, on te rend grâce pour ta parole, et puis ce matin, on veut entendre ce que ton esprit nous dit. On veut entendre ce que la parole de Dieu nous dit, et non pas lui faire dire ce qu'on aimerait qu'elle dise. Ce matin, prépare nos cœurs, dispose nos cœurs, afin qu'on soit attentif et afin, Seigneur Dieu, non seulement qu'on l'entende, mais qu'on soit de ceux qui la mettent en pratique. En ton nom, on te le demande. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, on commence à regarder concernant d'être intelligent. Paul appelle les hommes, il leur dit, je parle comme à des hommes intelligents, je vous adresse comme à des personnes intelligent, n'est-ce pas? Qui ici aimerait être intelligent? Selon le critère de Dieu, et non pas selon le critère de cette terre. On a regardé la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, on va faire juste un petit overview, un petit survol de qu'est-ce qu'on a parlé. L'intelligence, ce n'est pas l'accumulation de connaissances, mais selon le dictionnaire et les Écritures, c'est de faire preuve de discernement, de jugement et de bon sens. Et c'est ce qu'on a regardé. Et Paul nous donne des exemples ici. Il nous donne un exemple. Il dit, on doit être attentif et être intelligent, c'est discerner qu'est-ce que Paul dit. Avoir le bon sens de vraiment de recevoir l'instruction que Paul donne. Ça donne quoi de donner une instruction si ça n'a pas de valeur en tant que telle? Ou si ça n'a pas rapport avec les gens de qui ils parlent. Paul désire que les gens soient attentifs à ce qu'il est sur le point de partager avec eux, ou ce qui est partagé avec eux, et qu'on doit apprendre des choses du passé. Savez-vous quoi? Souvent, on entend dire, et c'est la réalité, que l'histoire se répète, et que souvent les hommes n'apprennent pas les choses qui sont arrivées dans le passé. Ici, Paul veut que l'Église de Corinthe apprenne, il veut que les saints apprennent les choses qui sont passées dans le passé, les choses qui sont arrivées dans le passé, afin d'éviter ces choses-là.
de faire attention à ces choses-là. Et on a vu la semaine passée que c'est un exemple qui est pertinent et instructif pour nous, et que c'est possible d'expérimenter Dieu sans pour autant être sauvé en bout de ligne. Et on a vu ça, on ne passera pas à travers les textes qu'on a regardé ensemble, mais c'est une possibilité. Ils ont tous passé en dessous de la nuée, ils ont tous passé à travers de la main, ils ont tous été baptisés, ainsi de suite. Hein? Ils ont expérimenté le dessein de Dieu, mais en bout de ligne, ils sont tombés. Et j'ai mentionné que non seulement, et on a terminé avec ça la semaine passée, non seulement qu'il est possible d'expérimenter Dieu et de ne pas être sauvé en bout de ligne, mais il est possible d'expérimenter Dieu et de s'endurcir. Et c'est avec ça qu'on a terminé la semaine passée, et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Dans Hébreux 3, à deux reprises dans Hébreux 3, Paul fait référence de faire attention, d'avoir une oreille attentive. Ça nous dit au verset 7, c'est pourquoi, c'est pour ça que je vous ai dit la semaine passée, quand il y a un enfant sur, selon ce que dit le Saint-Esprit, on a besoin de porter attention. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des chrétiens, à des personnes qui ont pris part à l'Évangile. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Et c'est ce qui fait part, justement, aux Corinthiens, au 10e chapitre. Il fait référence à ces choses-là. Et encore une fois, il mentionne la même chose, il répète la même chose. Je crois que c'est au verset 15. Ça dit, pendant qu'il l'a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce sont à deux reprises, dans un court texte, dans sa lettre, il écrit de faire attention. Si vous entendez sa voix, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il est possible d'entendre la voix de Dieu et de s'endurcir. Il est possible d'entendre la parole de Dieu prêchée semaine après semaine, jour après jour, et de s'endurcir. Comme José a mentionné, ce n'est pas simplement de l'entendre, ce n'est pas d'être des auditeurs oubliés qui comptent, mais c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit, et maintenant, d'agir en accord avec les instructions qu'il nous donne. Et ce que Paul, dans 1 Corinthiens, justement, incite les gens. Il incite les saints à recevoir l'instruction qui est donnée. Il est possible de s'endurcir, même si on entend la voix de Dieu. Regardons au verset 6, ce que ça nous dit. Ça nous dit au verset 6 du chapitre 10, on est dans 1 Corinthiens. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous souvenez-vous, lorsque vous étiez à l'école, pour ceux que ça fait un petit peu de temps qu'on est sorti de l'école, hein? Je me souviens dans le temps, je ne sais pas si ça fonctionne encore de même aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé après le temps. Mais il nous donnait des exemples, spécialement, disons, en mathématiques. Il nous donnait des exemples. Quand on était plus jeune, 2 plus 3 égale 5. Il mettait deux petites choses là, trois choses. C'est des exemples pour nous aider à comprendre, n'est-ce pas? Et c'est pour nous aider non seulement à comprendre, mais à être en mesure de répéter et de faire et de comprendre et d'agir selon l'exemple qu'on a reçu et d'avoir la bonne réponse. Paul dit ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites? C'est efficace, c'est bon pour nous, c'est bon pour recevoir cet exemple-là. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. On regarde ces exemples-là afin que nous n'ayons pas. Il s'inclut là-dedans. Hein? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Et ça, ça suggère, frères et sœurs, que les choses qui leur sont arrivées, l'exemple qu'on a, c'est que des choses qui sont arrivées, leur sont arrivées suite à leur désobéissance, à leur endurcissement. Encore une fois, à Hébreux 3. J'aurais dû vous dire de garder votre poignet, j'aurais dû garder le lien là aussi. Mais c'est parce qu'il y a un verset qui nous dit justement, au verset 12, « Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur, comment? Mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Regardez votre doigt dans Hébreux 3, parce qu'on va y retourner. On va nous tourner une page pour être en mesure de retourner assez rapidement. Hein, lorsqu'il parle de mauvais, il parle d'une nature mauvaise. Hein. Hein, on n'a pas de mauvais désirs. Des désirs qui ne devraient pas être dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on est une nouvelle personne. Hein, on est une nouvelle création. Nos désirs changent. Avez-vous remarqué lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ? Vous désirez plus les mêmes choses que vous désiriez dans le passé. Sinon, si vous désirez les mêmes choses que vous désiriez dans le passé, frères et sœurs, il y a un problème majeur. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on a appris Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, on nous parle, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Jésus. On va juste y tourner. Ce n'était pas planifié, mais on va y tourner. Ça, c'est... Les moments, on ne sait pas à qui on parle, où est-ce que les gens sont. Donc, on a besoin d'entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'est bon pour chacun d'entre nous. Dans Éphésiens 4, verset 17, il dit, « Voici donc ce que je dis. » Paul aime clarifier ce qu'il dit, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'il a mentionné dans les trois premiers chapitres d'Éphésiens, maintenant, il dit, « Voici ce que je dis. » Et ce que je réclame dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et en cause de l'endurcissement de leur cœur. On ne doit plus marcher comme ça. Notre cœur ne doit pas être endurci. Ayant perdu, au verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et là, il clarifie, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Imaginez-vous, Jésus se tient, s'y tient vaincu dans personne. Je vous instruis à vous dépouiller. À vous dépouiller de quoi? Du vieil homme. De ces désirs-là qu'on avait dans le passé et qui maintenant ne doivent plus être dans nos vies. C'est ce qu'il nous dit, vous instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Paul m'adresse à des hommes intelligents, des personnes qui sont renouvelées dans leur intelligence. Renouvelées dans leur intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le fruit de la vérité produit une sainteté et une justice. Il y a un changement. Nos désirs ont changé. On n'a plus les mêmes désirs. On n'a plus des désirs qui sont mauvais. Et Paul met en garde, il dit, on a besoin d'apprendre. Il y a un exemple qui nous est donné. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils ont goûté à toutes les choses que Dieu avait préparées. Et pourtant, leur cœur commençait à désirer des choses qui étaient mauvaises, des choses qui allaient à l'encontre de Dieu. Et Dieu nous donne un exemple ici. Comment est-ce que Dieu agit lorsqu'une personne ignore la parole de Dieu ou endurcit son cœur au point de se détourner? Et dans les exemples qu'il donne, on voit que des détournements qui se font. Le terme mauvais également fait référence à des choses pernicieuses, des choses qui sont dangereuses pour la santé. Le terme qui est utilisé pour mauvais inclut
quelque chose de pernicieux, de dangereux, quelque chose qui est fatal, qui est mortel. Et ce qu'on voit dans les choses qu'on va voir dans la suite, ce qu'on va voir, c'est ce qui est suivi, il y a des choses qui étaient mortelles, qui étaient fatales pour les enfants d'Israël. Les désirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont aspiré après des choses. Ils ont suppiré après des choses qui étaient de la convoitise. Ils ont suppiré après des choses qui étaient défendues. Lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, il dit, remarquez, vous ne passerez pas par ce chemin-là. Vous ne reviendrez pas par l'Égypte. Mais ce qu'on retrouve dans les Écritures, c'est qu'après un bout de temps, les enfants d'Israël disent, pourquoi vous nous avez amenés ici dans le désert? Pourquoi nous en avons dit pour périr? Même on se souvient ce qu'on avait en Égypte. À un tel point qu'on dit, OK, élevons-nous un leader pour retourner en Égypte. Dieu dit non, vous ne retournerez pas en Égypte. Eux, à cause qu'ils manquaient, en fait, leur cœur, les mauvais désirs qu'ils ont eus, c'était de retourner en Égypte, contrairement à ce que Dieu avait dit. Non, vous allez aller de l'avant, vous en allez dans une terre promise. Est-ce qu'on veut regarder en arrière, frères et sœurs, et dire, ah, oh, mais là, on va retourner dans les voies de ce monde? Non, il nous a promis les cieux. Il nous a promis une terre promise, mais c'est une terre céleste, un lieu céleste. Une batterie céleste comme l'hiver et pour sa mission. On ne veut pas regarder en arrière. On ne veut pas retourner en arrière. Les enfants d'Israël, malheureusement, ont eu le mauvais désir de vouloir retourner en Égypte, qui était complètement contraire à ce que Dieu avait dit. Et ça, frères et sœurs, ça peut mener à un cœur mauvais. Comme dans Hébreux 3, on l'a lu. Un cœur mauvais et incrédule. Au point de quoi? De se détourner. Dieu. Il avertit qui? Il avertit ceux qui ont pris part à l'Évangile, ceux qui ont pris part aux choses de Dieu. Donc, au verset 7, au verset 6, il dit, ça nous sert d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, il décrit les mauvais désirs qu'ils ont eus. Et il avertit en même temps, ne devenez point, ne devenez point comme quelques-uns d'entre eux. Ne devenez point quoi idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levèrent pour se divertir. Et vous remarquez que Paul n'a pas mentionné une chose dans ce verset-là, parce qu'il fait référence à quoi? Exode 32. Mais vous remarquez ce qu'il a mis? Regardez ce verset encore une fois. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il n'y a pas mentionné qu'ils ont fait un veau d'or. Et pourtant, c'est écrit. Mais il nous décrit c'est quoi l'idolâtrie? Oh! On est capable de reconnaître l'idolâtrie sans avoir un veau d'or visible. Ils se sont levés. C'est ce qu'il dit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire et ils se levèrent pour se divertir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'idolâtrie dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que le manger et le boire et le divertissement n'est pas souvent ce qui manifeste l'Église de nos jours, ce qui représente l'Église? Et souvent, même dans l'Église, on peut faire appel à ces choses-là pour essayer d'attirer les gens. Mais Paul décrit l'idolâtrie comme étant de manger, de boire et de se lever. Si notre foi en Christ ne nous amène pas justement à renoncer aux choses mauvaises, et comme on a vu tantôt concernant le dépouillement, si ça ne nous amène pas à être instruits à se dépouiller, il n'y a pas simplement ça, frère et soeur.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous amène à être de nouvelles créations. Toutes choses passées. Toutes choses sont passées. Les choses anciennes, mais toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. C'est une vie nouvelle. Et les enfants d'Israël se sont détournés de cette vie-là que Dieu les emmenait à recevoir, à marcher dans cette vie nouvelle. Le terme qui est utilisé pour ne devenir point, ne devenez point idolâtre. Je trouve que c'est intéressant, ne devenez point. Ça veut dire qu'il était, plus idolâtre, n'est-ce pas? Il adorait vraiment Jésus. Il adorait vraiment Dieu. Il a dit, ne devenez point idolâtre. Mais c'est un terme qui est tellement intéressant. C'est ce qu'on appelle un auto-atonyme. Auto-atonyme. C'est quoi un auto-atonyme? C'est le même mot qui est son propre contraire. Alors, on a des mots comme ça en français, j'allais dire en anglais, on a aussi en anglais, mais en français, on a loué. Si je dis loué, et je dis, j'aimerais louer un appartement. C'est que j'aimerais acquérir un appartement, j'aimerais avoir un appartement, le prendre en location. Mais si je dis « je loue mon appartement », ça veut dire quoi? C'est que je le mets en location. Un, c'est de mettre en location, et l'autre, c'est de moi prendre. C'est de opposition, c'est le même mot. Et on a dans le grec ici un mot qui est semblable. « Devenez ». « Devenez point ». C'est « commencer à être ». Ne commencez pas à être idolâtre. Mais le même mot peut également dire « ou revenir au passé. Intéressant. On a beaucoup de mots comme ça, frères et sœurs. Là, dans quel sens est-ce qu'il est utilisé? Pour ma part, je pense qu'il est utilisé probablement dans les deux sens. Moi, là, je choisis ce mot-là, parce que ça s'adresse dans les deux. On ne veut pas commencer à être idolâtre, mais non plus on ne veut pas revenir en arrière. On peut revenir au passé. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté Égypte, vous savez ce qu'on dit? Le Seigneur avait dit à Moïse, il dit de laisser leur Dieu en arrière. Parce qu'il avait adopté des dieux en Égypte. Un autre mot qui veut dire la même chose, apprendre. Je peux dire, j'apprends le piano. Ça veut dire, j'acquéris la connaissance du piano, n'est-ce pas? Ou bien non, j'apprends à quelqu'un le piano. Ça veut dire que je transmets cette connaissance. Le même mot, mais qui a une signification qui est opposée. Et il y en a plusieurs de ce style-là. Et ici, je crois qu'il fait référence à la même chose. Parce qu'au chapitre 6 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, ce qui est intéressant, c'est que Paul adresse ces gens-là. Il les avait déjà adressés par rapport à ces choses-là. Il dit, ne savez-vous pas, au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Fait que c'est peut-être bien qu'il utilise ce mot-là, afin que, revenez pas en arrière, il y en avait quelques parmi vous qui étaient idolâtres. Mais vous ne voulez pas, il ne voulait pas non plus qu'ils deviennent idolâtres. Si je n'étais pas dans le passé, ne devenez pas idolâtres. Suivez pas l'exemple des Israélites, mais apprenez plutôt dans l'exemple des Israélites de vous garder de ces choses-là. Et ce qu'on voit plus tard, justement, on a pris la Sainte-Seine ce matin, on voit dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, comment est-ce que les Corinthiens, malheureusement, également prenaient la Sainte-Seine, mais ils mangeaient et négligeaient les autres. Fait qu'on voit là, qu'ils se mettaient au-devant des autres. Et c'est une chose qu'on doit éviter. On doit apprendre de mettre le Seigneur de l'avant. Et qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Ne devenez point idolâtre au verset 7.
Au verset 8, ça nous dit, ne nous livrons pas un point à la débauche. Avez-vous remarqué qu'il s'inclut toujours là-dedans? C'est pas qu'il pointe le doigt aux Corinthiens, mais il s'inclut, ne nous livrons pas à la débauche ou à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. C'est plus que pas mal des guerres qui se passent dans les endroits, n'est-ce pas? 23 000, le jugement de Dieu, à cause qu'ils se sont livrés à l'impudicité, il y a eu un jugement. 23 000 sont tombés. De se livrer, ça veut dire de se prostituer. De prostituer son corps à la convoitise d'un autre, à une relation sexuelle illicite. Et l'exemple qui est donné, que Paul fait mention de 23 000 sont tombés, c'est lorsque les enfants d'Israël sont allés vers les femmes, les filles de Madian. Et 23 000 sont tombés dans ce jour-là, en un seul jour. Et ça nous dit après ça par la suite, non seulement ça, mais un autre exemple. Au verset 9, il dit, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Ils périrent par les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignaient. C'est quoi la tentation de tenter le Seigneur? Le grec qui est utilisé, c'est d'éprouver le caractère de Dieu. Lorsqu'on éprouve le caractère de Dieu et sa puissance. Et dans leur cas, c'est qu'ils avaient méprisé les voies de Dieu. Il y avait du dégoût pour le plan de Dieu. Le plan et la volonté de Dieu. Dans le passage dans Nombre, ça nous dit, tu voulais avec moi dans Nombre 21. Nombre 21, au verset 4. Ça nous dit de partir de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dames. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-nous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Ça ne dit pas non, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Et Jésus utilise cette même illustration-là, n'est-ce pas, par rapport à sa propre vie, qui allait être élevée, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et ici, c'est une question de foi envers Dieu qui avait dit, voici la solution. Vous avez parlé à l'encontre de moi. Vous avez été dégoûté de mes voix, parce que vraiment, c'était la voix de Dieu. Il était dégoûté de la voix de Dieu. Cette manne-là, on en a foule. Au-dessus du cap. Ras-le-bord, c'est ça que je cherchais de moi. Ras-le-bord. Il y en avait par-dessus la tête. Hein? Mais ils avaient un mépris. Dans quelle autre situation qu'ils ont tenté Dieu? Ils ont tenté Dieu, frères et sœurs, c'était le temps d'aller dans la terre promise. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, ils ont envoyé des espions, et les espions sont rentrés là, ils ont dit, oh, c'est vrai que la terre est superbe. Mais, il y a des gens, des fils d'Anak. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Ils ont tenté Dieu de cette manière-là. Et encore là, toute cette génération-là, n'a pas pu entrer dans la terre promise.
ils sont tombés dans le désert. Ils sont tombés dans le désert. Fait que c'est non seulement une corruption, ceux qui se sont livrés à l'épicé, une corruption morale, mais il y avait une corruption dans leur pensée, dans leur façon de voir les choses de Dieu, dans leur intelligence, on pourrait dire. Et la troisième chose, ou la quatrième chose plutôt, qui nous fait peur, comme exemple, au verset 10, il dit « Ne murmurez point comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Il y en a qui sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont grogné. Parce qu'ils ont murmuré. Ils se sont plaints en permanence. Il n'y avait aucune gratitude dans leur cœur. Et ça les emmenait à quoi? À être insupportables. Ça les emmenait à être indociles. Et c'est l'exemple qu'ils donnent, c'est l'exemple de Corée. De Corée, d'Athan et d'Abiram qui ont blâmé Moïse et qui ont été jugés. Ils donnent quatre exemples, trois qui définissent le jugement qui leur sont arrivés. Pour ce qui concerne de l'idole, du pot d'or, Dieu allait les exterminer toute la gamme suite à cette idolâtrie. Et c'est Moïse qui a intercédé. Moïse a intercédé, et puis Dieu les a épargnés. Est-ce qu'on a un qui intercède pour nous aujourd'hui? Amen. Parce que vraiment, là, en tant que tel, on devrait tous périr. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. Mais Christ a intercédé. Il est celui qui est venu porter nos péchés sur la croix. Il est comme le serpent qui a été élevé dans le désert, il est celui qui a été élevé. Et par lui, nous avons le pardon des péchés. Savez-vous le mandat que Paul a reçu? Paul, le Seigneur lui-même parle à Paul et dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, les Juifs. Je t'en vais vers eux autres. Quelle est la raison pour laquelle il m'a choisi? Il dit, afin, je vais essayer de faire ça de mémoire, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils pensent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'Église, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on une place, un bâtiment. L'Église, ce n'est pas simplement qu'on vient le dimanche et qu'on on remplit notre devoir devant Dieu. Ah, je suis allé à l'Église. Non. L'Église, c'est parce que les gens qui s'y trouvent, ce sont des gens qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui sont passés de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça l'Église. C'est des gens qui ont reçu par la foi en lui le pardon des péchés, qui savent « je suis pardonné, lavé, purifié, sanctifié. » Alléluia. Non pas par mes œuvres, mais par la foi en Jésus tient à moi, il dit « par la foi en moi, quoi. » Jésus, avant de partir, après qu'il a été ressuscité, il dit que la repentance va être prêchée, le pardon des péchés va être prêché en mon nom. Mais ce n'est pas seulement ça, frère et soeur. Ce n'est pas seulement qu'on est pardonné maintenant, mais c'est l'héritage. C'est qu'est-ce qui est à venir. Alléluia. Mais c'est l'héritage avec qui? Il dit, c'est l'héritage avec les sanctifiés. C'est qu'on n'est pas demeuré, on ne demeure pas dans notre saleté. On n'en va pas dans notre vieille vie. Nous sommes sanctifiés. Il fait de nous des saints. On est élus à cet effet-là, n'est-ce pas? On est élus pour être saints devant lui. Alléluia. On voit dans les Écritures que les deux choses. Donc, Paul nous parle ici dans 1 Corinthiens 10. Okay. Les deux choses qu'il mentionne, on le retrouve
dans Hébreux également. S'il mentionne ici, parce qu'il donne l'exemple, les enfants de Israël, même s'ils ont expérimenté Dieu, n'ont pas pour autant été sauvés en bout de ligne. Mais seulement qui? Seulement ceux qui ont cru. Seulement ceux qui ont cru. C'est pour ça que ça a été Caleb et Josué qui sont rentrés dans la terre promise avec le reste. Tous ceux de cette génération-là sont morts dans le désert. Pourquoi? Hébreux, encore une fois, en Hébreux 3, ça nous dit pourquoi. On va commencer avec Hébreux 3, puis après ça, on va aller dans Hébreux 6. Hébreux 3, au verset 16, ça dit « Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? » Ils se révoltèrent quand? Après avoir entendu sa voix. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas leur affaire et parce que leur cœur était mauvais. Leur cœur était incrédule. Hein? Après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et conquis fut-il hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Si dans le cœur, frères et sœurs, éventuellement, va sortir. Ça va sortir de notre bouche, mais également dans notre conduite. Si dans le cœur, et là c'est vraiment parce que la parole de Dieu prend sa place. Quand est-ce que Jésus dit « sanctifie-les » hein? Jésus a prié « sanctifie-les ». Comment est-ce qu'il est sanctifié? Comment, quand est-ce que la parole de Dieu, comment est-ce qu'il est sanctifié? Hein? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est comme ça que le Seigneur nous sanctifie et nous purifie par son sang, mais nous sanctifie à travers sa parole. Mais c'est à cause de leur incrédulité, ultimement. Parce que l'incrédulité va mène toujours au péché. Au chapitre 6, j'ai également les deux exemples, d'expérimenter Dieu, et puis de s'endurcir, on le voit au chapitre 6. Vous savez, nous, la semaine passée, j'ai mentionné une fois, j'ai dit, je ne veux pas que vous croyiez ce que je dis que la parole de Dieu dit. Vous croyez ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce passage-là, je pense que j'ai entendu plus de raisons pour lesquelles ça ne veut pas dire ce que ça dit. Que ça veut dire ce que ça dit. Est-ce qu'on se comprenne? Au verset 1, on va commencer au verset 4 pour le temps. Ça nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, est-ce que les enfants d'Israël étaient éclairés? Oui. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Là, on ne parle pas simplement des enfants d'Israël, mais on parle aussi à des chrétiens. Il parle à ceux qui ont reçu l'Évangile, qui ont reçu Jésus-Christ. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, j'espère que vous êtes éclairés, comme Paul, son mandat, c'était que les gens passent des ténèbres à la lumière. Lorsque tu passes des ténèbres à la lumière, t'es quoi? Éclairé. Et c'est pour ça, pour ma part, mon témoignage, c'est comme quelqu'un a allumé la lumière. Littéralement, dans ma vie, le changement était si drastique. Des ténèbres à la lumière, éclairé. Il n'y a pas d'autre voix, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre Dieu. Christ est le sauveur du monde. Amen. Ce n'est pas Donald Trump, en passant. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu élève des hommes. C'est celui qui élève, puis il est aussi celui qui abat. Mais ça nous dit ici qui ont été une fois éclairés, ça veut dire qu'ils ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Quel est le don céleste? Quel est le don céleste que la parole nous fait référence? C'est le don de la grâce. Dans Romains 5, il nous parle de le don, du don de la grâce. Non seulement du don de la grâce, mais c'est le don également de la justice. Vous n'avez pas besoin de tourner,
Je vais juste vous lire ce que ça dit dans Romains 5. Ça nous dit, il n'en est pas comme du don gratuit, comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à toute forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. C'est le don de la grâce. Mais un petit peu plus loin, il nous dit non seulement ça, mais c'est le don de la justice. Au verset 17, ça dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils. Alléluia. Fait que c'est ça, le don de la grâce. Le don de la grâce se définit par le don de la justice. Dieu nous fait grâce, et dans sa grâce, c'est qu'il nous justifie. Et ça, c'est par Jésus. Donc, il est le don. Qu'est-ce que Jean nous dit dans Jean 1, 17? Ça nous dit que Jésus-Christ est venu. Et par lui est venu quoi? La grâce et la vérité. C'est par Jésus-Christ. Il est le don. Ça fait que ces gens-là, ici, dans Hébreux 6, ça nous dit qu'ils ont été une fois éclairés, qu'ils ont goûté le don céleste. Jésus est descendu du ciel. N'est-ce pas? Il a dit, je suis le pain du ciel. Qui ont eu peur au Saint-Esprit. Qui ont eu peur au Saint-Esprit. Wow. Je me retenais l'attention là-dessus parce que c'est important. Avoir peur de quelque chose. Avoir peur de quelque chose. Ces gens-là n'étaient pas des gens du monde. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean qu'elle a envoyé justement un consolateur. Mais que le monde ne pouvait pas le recevoir. Le monde ne pouvait pas avoir peur au Saint-Esprit. Il y a peur, on a peur au Saint-Esprit pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Il est celui qui baptise de l'Esprit, qui remplit, accomplit la promesse du Père. Fait que c'était des personnes vraiment qui connaissaient, qui ont expérimenté Dieu. Et ça nous dit par la suite qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Qui ont goûté. Qui ont participé, qui ont partagé les choses de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est impossible. Et qui sont tombés. Ici, ce n'est pas simplement une chute, parce qu'on tombe tous, n'est-ce pas? On tombe dans un certain sens, on a tous des chutes, on a tous des moments où on pêche. Même Jean nous dit, si on dit qu'on ne pêche pas, on est menteur. Mais par contre, on a un avocat. Amen. Avec un ombre. Il est fidèle et juste lorsqu'on confesse le péché, de nous purifier, de nous pardonner. Mais ici, le terme « tomber », c'est vraiment lorsqu'une personne dévie ou se détourne ou qui chute de la vraie foi. Il se détourne de la foi. Paul le mentionne dans plusieurs places dans ses épîtres parce qu'il dit qu'il y en a qui se sont détournés ou qu'ils ont abandonné la foi. La vraie foi. Et c'est ce qu'on a lu justement au verset, au chapitre 3, verset 12, 15, un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner. C'est ce qui fait référence. Il était possible de les quoi? Renouveler. Ça veut dire qu'il était nouveau. Mais c'est pas possible de les renouveler. Il nous donne la raison, puisqu'il crucifie pour la part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux qui, pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête à être maudite, et on finit par y mettre le feu.
Dans chaque exemple que Paul donne, il y a eu de graves conséquences. De graves conséquences. Et il nous encourage et nous exhorte de quoi? De recevoir l'instruction. D'apprendre. Il veut qu'on reçoive ce qu'il dit comme étant un avertissement, comme étant une leçon pratique pour nous. Parce que souvent, on a la pensée que les choses sont différentes avec Dieu. Et pourtant, Pierre nous dit que le jugement n'est commencé que nous, dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Et puis, c'est à nous de prendre la parole de Dieu au sérieux. Mais quelle est la raison pour laquelle, je crois, quel est le contexte dans lequel dans Hébreux 6, ces choses-là se passent? Le contexte, frère et soeur, c'est qu'il y avait une immaturité chez les gens. Les gens pensent que je peux m'en tirer en négligeant ou en rejetant la parole de Dieu. Ou en faisant ce que je pense que la parole de Dieu dit. Ou ce que je me suis fait dire que la parole de Dieu disait. Parce que dans le contexte d'Hébreux, c'est Hébreux 5, ça dit qu'ils devraient être en mesure d'enseigner maintenant. Mais ils ont besoin d'avoir du lait au milieu de la viande seule. Il y avait une immaturité concernant la parole de Dieu. Et cette semaine, on en parlait justement un peu avec José. Non, on a plus de Bible qu'on n'a jamais eu. L'exposition de, je le dis en anglais, Gutenberg, cette exposition-là de la première imprimante qui a imprimé la Bible, hein, c'était une des marques de la Réformation qui est arrivée. C'est qu'il voulait que la parole de Dieu soit disponible pour les gens. Et non simplement pour les élites. Vous voulez que la parole de Dieu soit répandue. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu répandue comme jamais auparavant. Vous avez peut-être même sur votre téléphone 5, 6, 7, 10 versions des Écritures. On en a des copies partout. Et pourtant, il y a une immaturité concernant les Écritures, concernant la parole de Dieu. Il y a vraiment une immaturité qui est reflétée dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se fie aux élites. On se fie à qu'est-ce que... un tel dit ça, un tel dit ça. Au lieu de se tourner et d'être nourri, qui a été envoyé pour les enseigner? Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous enseigner toutes choses. C'est cette relation-là. Est-ce que Dieu a donné des enseignants? Est-ce que Dieu a donné des docteurs, des apôtres, des prophètes? Oui. Mais on doit être comme les Béréens qui ont été examinés si les choses étaient vraiment ce qu'ils disent. Ce que la parole de Dieu dit ou ce qu'on dit que la parole de Dieu dit. Et c'est ce que les gens devaient faire avec Paul. Ils sont allés examiner, voir si les Écritures disaient vraiment ce que Paul disait, que les Écritures disent. Et non pas ce que Paul disait, mais croyez-moi ce que je dis. Non. Paul a voulu les emmener, leur ouvrir les yeux. Et je pense que c'est dans le même contexte que Jésus a dit à ses disciples après la résurrection, je l'ai mentionné. Père, non, il a dit. Ça nous dit que Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et Paul, quand le Seigneur a dit que tu leur ouvres les yeux, pas les emmener aux Écritures. Aux Écritures. Voici ce que les Écritures disent. C'est pas ce que Paul dit qui compte. C'est pas ce qu'Apollo dit qui compte. C'est ce que les Écritures disent. Mais on a une responsabilité, frère et soeur, de recevoir ce que la parole de Dieu nous dit. Et ici, il nous met en garde. Il nous met en garde. Il met l'Église de Corinthe en garde. Apprenons ce qui est arrivé dans le passé et soyons certains que les mêmes choses s'appliquent aujourd'hui pour nous. Et on voit dans les Écritures, c'est une mise en garde qui est
répétitive. Je pense qu'il va falloir qu'on termine ça ici. C'est une mise en garde qui est répétitive, on le voit dans Hébreu. On l'a lu à même reprise, mais si on pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. S'il n'y a plus de sacrifice pour le péché, frère et soeur, ça veut dire qu'on demeure dans le péché. Si on pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Jésus ne nous a pas instruit à continuer de vivre dans le péché. Jean nous dit dans son épître, il dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui continuent dans le péché, c'est les enfants du diable. Ceux qui marchent dans la sainteté, étant sanctifiés, c'est les enfants de Dieu. Ils ne pêchent plus ou ils ne pratiquent plus le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne trébuche pas. Mais une fois qu'on a trébuché, par contre, on se relève. Alléluia. On est prêt à confesser notre péché. On n'essaie pas de justifier dans nos péchés. Et il y a en ce moment, frères et sœurs, de plus en plus, et à travers les réseaux, les médias, de plus en plus, qu'on peut vivre comme bon nous semble aussi longtemps qu'on a prié une prière, aussi longtemps qu'on croit en Jésus. Il n'y a pas besoin d'être maître de notre vie, il n'y a pas besoin d'être seigneur de notre vie. Non. Ça, c'est des œuvres. C'est la véritable grâce de Dieu. Et on doit être en mesure, frère et soeur, de reconnaître le vrai du faux. Parce qu'une des choses qui marque les derniers temps, c'est vraiment la séduction. Les gens être emmenés à croire quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Ça nous dit, nous allons terminer avec ce verset-là. C'était pas planifié de terminer là. Je ne pensais pas de parler aussi longtemps. J'essaie de voir si on va terminer. On va terminer ce verset-là, on y reviendra la semaine prochaine. Ça nous dit au verset 12, « Ainsi donc, on est dans 1 Corinthiens 10, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Paul mentionne ces choses-là, justement, il faut mettre en garde les Corinthiens de ne pas tomber dans le même panneau que les enfants d'Israël ont tombé dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans le murmure et ces choses-là. Dans la de tenter Dieu, de tenter le caractère de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup de tentations face au caractère de Dieu de nos jours. Paul dit non, prenez garde. Prenez garde. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Oui, là, Paul avertit les gens de ne pas attrister le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible de l'attrister? C'est pas possible de l'attrister. Pourquoi encourager les gens ou inciter les gens de ne pas attrister l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que Israël a attristé l'Esprit de Dieu? Oui. Et lorsqu'ils ont fait le veau d'or, une des choses qui est mentionnée, ou plusieurs choses qui sont mentionnées, ils ont corrompu, se sont corrompus, se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est un peuple beaucoup raide. Et il a dit, je les consumerai. Je les détruirai. Si ça n'avait pas été de Moïse, Dieu aurait fait un peuple nouveau avec Moïse. Mais Moïse a intercepté. Et Christ intercède pour nous, non pas afin que nous attristions le Saint-Esprit, mais afin que nous marchions dans ses voies, qu'on le suive. Alléluia. Et Paul en mentionne non seulement de ne pas attrister, mais de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit. Ah. Sujet de réflexion, n'est-ce pas? De ne pas étouffer, de ne pas supprimer l'Esprit de Dieu. On peut goûter à l'Esprit de Dieu et pourtant ne pas avoir, de pas l'obéir, de ne pas entendre ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut se demander ça? On continuera.